Bienvenue à cette capsule percussive. Cette semaine, le caron. Alors, la question de cette semaine nous provient de Nancy Bernier, qui aimerait en savoir plus à propos du caron. Le caron est un de mes instruments préférés. C'est un instrument complet sur lequel on peut jouer autant des basses fréquences et des hautes fréquences. Alors, il y a principalement deux types de caron, le caron péruvien, où on ne retrouve pas de cordes à l'endroit du panneau de frappe principal, et le caron flamenco, qui, lui, comporte souvent des cordes ou des boyaux qui vont être collés contre la paroi de frappe principale. Aujourd'hui, on va se concentrer sur trois sons principaux. Le premier son est le son de basse. Deuxièmement, il y a le son qu'on appelle « slap ». Le dernier son, c'est le son fantôme. C'est des notes fantômes qui vont être jouées entre les coups principaux pour nous aider à garder un rythme constant. Alors, c'est tout pour le caron. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à vous inscrire au canal LD Joly en appuyant ici. Si vous désirez revoir la capsule sur le triangle de la semaine dernière, je vous invite tout simplement à cliquer dans le triangle ici et vous allez y aller directement. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain.